Salut à tous, c'est Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien et c'est bientôt la fête des mamans. Est-ce que vous avez 30 minutes pour votre maman pour lui réaliser une belle charlotte aux fraises? Vous allez voir, c'est super simple et c'est un gâteau que tout le monde aime en général. Alors première étape, je vais mettre 150 ml d'eau, on va réaliser un petit sirop avec 75 g de sucre dans une casserole. Et je vais venir mettre le zeste d'un citron vert juste pour parfumer ce sirop qui va nous servir à imbiber les biscuits cuillères. Deux façons de faire la recette, vous pouvez utiliser des feuilles de gélatine ou de l'agar agar. Les feuilles de gélatine, j'en ai 6, vous les trempez dans l'eau froide. Attention, pas d'eau chaude sinon elles fondent tout de suite. On va les faire ramollir. Si vous utilisez de l'agar agar, il vous faudra 2 g. Et ça, on va voir tout à l'heure comment l'utiliser éventuellement. Vous rincez les fraises, vous enlevez la queue et vous les coupez en morceaux. On va les réduire en purée, en coulis de fraises. Vous en gardez quelques-unes, alors quelques-unes, 2-3 jolies pour la déco, hein, voilà des petites par exemple. Et gardez-en, allez, 5-6 pour mettre des morceaux de fraises à l'intérieur. Alors dans cette vidéo, pour faire une charlotte un peu plus girly, on va utiliser des biscuits roses de Reims. Vous pouvez également utiliser sinon les biscuits cuillères classiques. Les biscuits roses sont déjà de forme rectangulaire, donc c'est facile, on va pouvoir les disposer tout autour d'un cercle. Là j'utilise un cercle de 16 cm pour avoir une charlotte bien haute. Vous voyez, ça va faire le tour sans problème et ils vont se coller entre eux. Donc toujours le sucre glace côté extérieur. Ça va être très facile. Maintenant, si vous utilisez des biscuits cuillères, ça va être un peu plus compliqué parce que la base est ronde, donc ils vont pas bien tenir. Bon bah c'est très simple, hein, l'astuce, vous la connaissez. Vous coupez la base pour avoir quelque chose de stable et ensuite vous pourrez venir poser votre biscuit comme ça sans problème tout autour. Et dans une prochaine vidéo, promis, je vous montrerai comment réaliser vos biscuits cuillères maison parce que, en fait, c'est pas très compliqué. Une fois que le sirop a refroidi, vous venez tremper les biscuits brièvement dans le sirop et face sucrée à l'extérieur et vous les répartissez tout autour de votre cercle. Dans le fond du gâteau, je mets quelques morceaux de boudoir, boudoir coupé en deux pour faire un espèce de socle de biscuits. On va faire chauffer une partie de la pulpe de fraise dans la casserole. Voilà. Un tiers à peu près, c'est juste pour pouvoir dissoudre la gélatine. On ajoute le sucre au coulis de fraise. On mélange. Là, j'ai égoutté la gélatine, je vais l'ajouter à la pulpe de fraise chaude. Maintenant, si jamais vous aviez utilisé de l'agar agar, vous mettez les 2 g d'agar agar directement dans la pulpe de fraise et vous faites chauffer l'ensemble, portez le tout à ébullition pendant 1 minute, ça va l'activer. Et ensuite, on va reverser le tout, donc soit avec la gélatine, soit avec l'agar agar, dans le restant ici de pulpe de fraise. J'éteins le feu, j'ajoute la gélatine, et avec la chaleur, elle va fondre, donc il suffit voilà, de mélanger avec un fouet. Et je reverse le tout avec la pulpe, voilà, je réunis les deux pulpes. Maintenant, la gélatine est bien intégrée dedans, on mélange, et on va passer à la crème fouettée. J'ai versé 30 cl de crème liquide entière à 30%. Elle est bien froide, mon bol est passé au congélateur 10 minutes, tout est bien froid et c'est parti. On va fouetter l'ensemble en chantilly. Alors à présent, on va mélanger notre coulis de fraises gélifié et légèrement sucré avec la crème fouettée, vous voyez, qui est bien épaisse. Voilà. Et il faut faire attention à ce que le coulis de fraises soit bien froid, donc n'hésitez pas à plonger le bol dans une assiette avec des glaçons et de l'eau, hein, bien froide. Et ensuite, on va mélanger l'ensemble progressivement. Avant de mélanger la crème et le coulis de fraise, vous pouvez tamiser le coulis de fraise pour enlever les petits pépins de fraise. Voilà, moi ça ne me dérange pas, maman non plus, donc on les laisse. Alors, je vais commencer à verser une partie de la crème, voilà, jusqu'à la moitié à peu près. Avec une cuillère, je viens bien appuyer la crème tout autour, ça va bien garder mes gâteaux en place. Et qu'est-ce qu'on va faire au milieu? On va mettre évidemment des lamelles de fraises. Je viens compléter sur la couche de fraises avec le restant de crème. Et voici notre charlotte aux fraises, il ne nous reste plus qu'à la laisser prendre au moins 4 heures au frais pour que voilà, la crème fiche bien à l'intérieur. Vous pourrez découper les tranches facilement et décorer avec des petites fraises, évidemment sur le dessus, avant de le servir. Bonne fête à toutes les mamans par avance et je vous dis à très vite sur Hervé Cuisine pour de nouvelles recettes. Ciao !